Bienvenue dans le cours graphique design pour débutants. Dans la série vidéo, nous te montrons comment ou capable et inscrit en dans Poster My Role. OK? Donc, nous te montrons toute interface Poster My Role et nous te montrons comment capable créer un logo en dans Poster My Role et nous te montrons comment ou capable créer un YouTube thumbnail. OK? Ou comment ou capable modifier un flyer qui existait déjà en dans Poster My Role. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, nous pourrons montrer ce que nous t'ai annoncé, lien. Comment ou capable créer une couverture ou page Facebook ou quoi. Mais bien avant, et nous commencer avec ce sujet, nous m'a profité occasion pour me capable remercier chaque grain de monde qui est déjà abonné à channel ça et merci et pas oublier continuer partager pour que le travail lui-même n'est capable d'arriver plus loin. Donc si ou même c'est première fois ou tomber sur channel ça, n'a besoin que channel ça. Nous postons des vidéos là-dedans chaque samedi sur ça qui vient à voir ensemble avec graphique design. Donc, l'étape importante pour que vous abonnez ensemble avec channel ça et surtout activer cloche notification pour que vous ne ratiez aucune vidéo que nous pourrons gagner pour nous mettre sur channel ça dans ça qui vient à voir ensemble avec graphique design. Donc, à nous passer directement notre travail que nous gagnons pour nous faire aujourd'hui. Donc, nous allons passer dans Poster My World. Donc, nous jouons le modèle ça. Donc, l'important pour que si c'est la première fois que vous tombez sur channel là, pour que vous regardez les vidéos que nous gagnons qui sur channel là déjà. OK? Donc, pour que vous capable comment vous capable manier Poster My World et pour capable arriver dans niveau ça. Si que c'est première fois où vous rentrez sur channel là, c'est sûr que il y a des bagages que nous allons faire là, que vous pas comprendre. C'est sûr que vous pas comprendre que nous prenons modèle ça dans Poster My World. Donc l'important pour regarder ces vidéos que nous gagnons avant vous pour que vous capable comprendre tout ça que nous-mêmes nous avons fait dans vidéo ça. Donc n'a parti maintenant. Et il y a quelques bagages que nous allons changer dans si affiche que nous avons gardé là. Premier bagage que nous allons faire, c'est ajouter le logo. Nous allons créer une page de couverture pour le secret de la réussite qui est une page et Facebook. OK? Donc, nous allons cliquer sur photo. OK? Nous allons cliquer sur ajouter pour nous capable ajouter photo. Hein? OK? Donc, quand y a là, si que j'en que nous dit important pour regarder l'autre vidéo, ou pour aller web pour qui ça, et nous gagner image ça qui déjà prêt en deux Poster My World. OK? Donc, l'important pour regarder l'autre vidéo. Nous allons cliquer sur photo et logo que nous besoin, hein, qui c'est le secret de la réussite, et puis nous allons ajouter lui dans espace de travail nous en deux Poster My World. Donc, quand y a là, nous allons prendre le logo nous, hein, nous allons traverser lui. Un côté que nous besoin mettre là donc on y a cliqué sur lui donc si que logo a li, nous senti que li trop gros donc on a besoin kembeli dans espace ça qui en l'air là ou bien nous kembeli dans espace qui en bas pour que nous capable redimensionner donc li pas important du tout pour que nous al kembeli dans espace ça là parce que n'a perdu la forme logo nous OK n'a déformé logo OK donc on y a nous cliquer sur lui. Et puis, nous, by logo, nous avons une dimension que nous-mêmes, nous voulons. OK? Donc, l'important pour tout, lorsque vous travaillez dans Poster My World, pour toujours save. Des fois, lorsque vous passez, Poster My World, lui-même, nous propose une option pour que vous ne pas oublier save travail que vous avez fait parce que c'est important. Un graphiste, lorsque vous travaillez, vous avez toujours besoin de save document pour que si vous avez qui passe, parce que c'est soit par électronique que vous travaillez, si vous avez bagage qui passe pour que vous ne pas perdre la conception que vous-même vous avez fait. Donc, quand y a là, vous n'avez pas besoin et partie ça que vous avez gardé là. Juste à cliquer sur lui et puis m'aller dans la partie qui est sous bord droite pour être capable d'aller supprimer lui. OK? Donc, je suis capable de quitter ça pour vous beauté. OK? Donc, je suis capable d'effacer ça tout. OK? Donc, je suis capable de quitter et texte ça seulement pour être capable d'écrire un simple bagage. Donc, nous ne pouvons pas écrire trop de bagages pour nous pas
passer trop de temps. Okay? Donc, c'est à vous-même pour que vous soyez capable de faire et pratique par vous pour que vous soyez capable de mettre sous et couverture en Facebook ou pour capable bien travailler. Et lorsqu'on rentre dans la page Facebook ou pour louer ou bien une page Facebook professionnelle. Donc, vous êtes capable d'écrire bienvenue. OK. Bienvenue sous page. OK. Je suis capable de réduire la dimension pour que les capables prennent exactement l'espace qu'elle devrait pour aller dans un graphique qui gagne. Donc, nous sommes capables d'aller dans la partie ça là pour que nous sommes capables de faire ouvrir un petit bas ça que nous gagnons pour nous capables de mettre en beauté dans l'affiche que nous avons fait. Donc après ça, nous sommes capables de mettre, si nous gagnons une description, nous sommes capables de mettre là. Ok, si que nous gagnons l'autre bagaille que nous avons mis, ajouter dans l'espace ça là, nous sommes capables de juste cliquer sur lui et puis nous sommes capables de modifier. Et si en plateforme ou bien un site web, ou bien ou bien un numéro de téléphone pour lui, ou capable d'aller ou changer numéro de téléphone. Donc, si que tout, ou pas aimé couleur qui souffle, qui sous un flyer, ou capable d'aller ou cliquer et puis ou chercher côté couleur dans lui-même lié, parce que automatiquement, que vous cliquez sur lui, là-bas, ou couleur. Que ou même ou besoin ou même pour capable aller pour que ou capable changer. Donc ça c'est des modèles que un graphiste là li mettez, OK? Donc ou même tout ou capable mettre des modèles qui en del. Donc si que ou besoin changer couleur texte là, ou capable aller ou cliquer sur lui. Donc ou capable à changer. Donc si que ou besoin prend on t'ai qu'à choisir un modèle en couleur là au hasard. OK, donc ou bien tout si que moi voulais prendre une couleur qui sorti dans le logo, je capable cliquer dans partie ça là et puis moi aller dans espace logo ça là, ouais, juste déposer le souli, juste lui-même changer couleur pour moi automatiquement. OK, donc c'est comme ça ou capable changer couleur parce que lorsque on travaille en tant que graphiste, faut qu'on travaille et faut couleur toute couleur qui en dedans motif ou en faut toute couleur yo lui-même yo aller OK pour pas faire un travail qui mastoc. Donc nous tout merci parce que vous t'es pris le temps pour être capable et garder vidéo ça. Nous bon rendez-vous pour une prochaine vidéo sur channel ça et pas oublier partager travail là pour que plus monde capable joindre opportunité pour capable apprendre graphic design et pas oublier tout que moi dit que type de travail ça yo non ou capable faire li sous laptop ou bien ou capable faire li sous téléphone ou tout. Donc depuis jeudi là commencez à pratiquer pour que ou capable vienne un graphiste professionnel. Nous bon rendez-vous pour une prochaine vidéo sur channel là. Restez branché, pas oublier, activez cloche notification pour que si vous à peine abonné, activez cloche notification pour que vous soyez capable de joindre toute vidéo que nous avons gagné pour nous mettre sur channel là. Nous remercions.